Salut à tous et à toutes, ici Desna. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Snake, je sais plus quoi. Je vous donnerai le nom complet par la suite. En fait, en bref, on s'en fout du nom du jeu. De toute façon, je mettrai le lien dans la description du Play Store et tout ça par la suite. Donc, peu importe, et le nom sera mis en titre. Donc, même si je dis pas le nom ici, c'est pas très grave, vous le saurez déjà de toute façon. Donc, on va pas se casser la tête pour ça. Mais en tout cas, ce jeu est génial parce que l'idée, le concept est vraiment pas con. C'est qu'en fait, c'est le principe d'un Snake, hein. On va jouer, je vais vous montrer. On a trois styles de combat. Et en fait, celui qu'on débloque pas directement, c'est celui qu'on récupère l'or. Alors, on a Battle Royale, le dernier debout à gagner. Ruée vers l'or, c'est... On continue, on essaie de récupérer de l'or des autres personnes qu'on tue. Et le mode classique, c'est le mode classique, juste récupérer des trucs de base comme ça, des pommes et grandir jusqu'à l'infini et on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Voilà. Et voilà, ça c'est magnifique. C'est que à peine même pas débuté, le truc il me laisse même pas de temps. Ça arrive souvent, mais ça on peut rien y faire. Hein. Bon ben voilà, j'ai plus de. Je suis ruiné, j'ai plus rien. Donc voilà, le principe c'est ça, hein. Vous récupérez tout simplement des pommes pour grandir et pour dépasser les autres. Que sur le côté vous voyez qu'il y a le machin qui s'affiche. Je vais déplacer ça là. Vous voyez les scores qui s'affichent. Oui, parce que j'utilise Mobizen pour filmer. C'est du 60 FPS 720p, 12 Mbps par seconde pour ceux qui savent. Et oui, j'enregistre le son avec mon micro, mon. Enfin, en fait, j'enregistre le son avec mon, avec la tablette aussi, mais je vais. Oh le pauvre. Je vais plutôt utiliser celui de mon micro parce qu'en fait, ici, j'ai acté, sur mon Bizen, c'est en train d'enregistrer aussi, et ça enregistre le son avec de la tablette. Mais c'est ce que ça fait avec la tablette aussi, en fait, ça n'enregistre pas le son à part, donc du coup le son est dégueulasse sur la tablette. Donc à ce moment-là, je préfère enregistrer avec ma Snowball Ice le son de la musique, qui là au moins sera correct, que enregistrer faire la même chose carrément avec le micro de ma tablette, et que là il y a un filtre qui fait que c'est dégueulasse, et que t'as le son qui descend, qui augmente, qui diminue. Et c'est horrible à l'écoute. Donc voilà, c'est pour ça que là vous entendez un son très correct. Plus mon micro. Parce que c'est via mon micro que je fais ça. Donc il suffit de faire un claquement des mains quand vous débutez, quand vous lancez de trucs, l'enregistrement de la tablette et du micro sur Audacity. Moi je fais. Vous faites un claquement, un claque, un fort claque des mains pour pouvoir par la suite synchroniser quand vous faites le montage. C'est pas du tout compliqué. Quand on fait de la vidéo, on sait déjà tout ça. Bon, alors ici, le principe, c'est d'essayer de récupérer ces trucs. Mais apparemment, il y en a un qui a été plus rapide que moi. Ça me casse un peu les pieds. C'était de récupérer tout simplement les petites boules multicolores à la Smash Bros. Là. Ça permet d'avoir des items pour, par exemple, récupérer des pommes, une sorte d'aimant à pommes qui vous permet de, autour d'une certaine distance, les pommes vous rejoignent tout seul. Par exemple, là, je passe à côté de pommes, et les pommes seraient, viendraient chez moi si j'avais le truc en question. Alors, on va essayer d'en trouver un. Voilà. Là, je suis en fantôme, par exemple. Ça sert à rien, là, parce que j'ai rien d'autre à faire. Mais le fantôme, en fait, il sert à quelque chose quand même, hein. Il sert à pouvoir tout simplement passer plus vite. Voilà, là par exemple, vous voyez, là j'ai récupéré d'un coup blindé de pommes. Vous avez une autre version où c'est un tout seul, un seul aimant. Ça, il permet tout simplement de faire pendant un petit moment un continu de récupération pendant 5-10 secondes. Je sais pas combien de secondes en tout, je les ai pas vraiment comptées, donc je peux pas vous dire les secondes exactes. C'est entre 5-10 secondes, il me semble. Et du coup, ça permet de récupérer pas mal de pop-pommes. Et ça, c'est bien. Et ce jeu-là, en fait, j'en suis accro. J'en suis vraiment accro. Je le trouve très fun, ce jeu.
J'arrive pas à m'arrêter, MDR. Et le truc, c'est que c'est pas mon personnage de base, ça. Ça, c'est un personnage que tu reçois assez... quand tu débutes le jeu, tu l'as assez rapidement, ce serpent de la... Je sais de quelle version là, et je l'aime bien. C'est de la Nintendo... Vous savez, le jeu qui est sorti sur Nintendo Switch et autres, hein. Je sais plus, Snake, je sais plus quoi, là. Il me semble que c'est sur la Switch qui est sorti, ce jeu-là. Enfin, voilà, soit, je sais plus. En bref, c'est un personnage d'une licence. Et du coup... Il a même une version Minecraft du serpent. Celui-là à côté que vous voyez, c'est celui de base quand vous débutez le jeu que vous avez. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, hein. Vous avez le choix de la couleur. Moi, c'est le deuxième que vous gagnez, que j'utilise. Vous pouvez personnaliser votre serpent par chaque segment. Lui mettre des feuilles, des fleurs, comme vous voyez. Vous voyez le segment... Ah, beige, comme moi. Donc, vous voyez le segment de changement de couleur, quoi. Waouh. Long. Je suis belge aussi, donc du coup c'est pour ça que je... Pour ceux qui se disent, ouais, alors c'est un belge. T'es pas belge, t'es français peut-être. Enfin voilà, c'est humain, on est con, je sais qu'on est débile. C'est comme ceux qui verraient des français qui diraient, ah, des français. Du coup c'est un peu rigolo. Non, en fait, ceux qui verraient des français, c'est différent parce que la France elle est grande, donc ça va. Mais la Belgique, comme elle est plus petite, ça fait toujours plaisir de voir des confrères jouer à les jeux que vous jouez et que vous êtes dans le même pays. C'est fun, quoi. Wop purée! Wop purée! Waouh, GG. J'aurais pas pu l'éviter. Voilà, ça, c'est chaud. Mais je trouve que c'est pas mal. On va encore en faire une et après, c'est bon. Donc voilà ce qui se passe quand vous avez tout simplement perdu le jeu. Parce que en fait j'ai recommencé l'enregistrement parce que comme un con j'ai fait stop, je vais pas le faire là bien sûr, pour la pub, pour la passer. Mais le truc c'est que j'ai pas fait stop sur le micro, donc du coup il va avoir un décalage de taré à régler parce que j'ai pas fait de claque. Et du coup je me dis merde, je dois tout recommencer parce que j'ai fait une connerie. Donc la prochaine fois, de toute façon, s'il y a une pub, moi je la cutterai, mais ça se fera dans en post-production, comme on dit, mais pas directement comme ça, quoi. Donc ouais, c'est dingue. Donc comme vous voyez, c'est un jeu vraiment assez fun à jouer. Sincèrement, moi je le trouve bien, ce jeu, je le trouve génial. J'en suis très fan. Regardez, c'est rigolo, vous voyez le personnage. Ça, c'est quelqu'un qui a pris un fantôme. Et vous voyez un peu toutes les sortes de variétés. Pardon. Vous voyez un peu toutes les sortes de variétés d'espèces qu'il y a. Il y a vraiment de tout, hein. Après cette partie-là, si je perds, on quittera. Et je vous montre... Oula ! Je vous montrerai... Wop purée, il me fait un traquenard, le petit coquinou. Oui, parce qu'il est pas... Il me voit, hein. C'est pour moi qu'il fait ça. Mais non, je suis pas con. En tout cas, il y a des fortes chances que c'est pour moi qu'il fait ça. Ouh ! GG, t'as failli me foutre KO, toi. J'étais un peu... Voilà. Et en fait, je vous montre un fantôme. Tout ce que ça permet, c'est en fait, on peut traverser tout le monde. On peut passer partout. Que vous soyez n'importe quelle taille, vous pouvez utiliser un fantôme et du coup, vous disparaissez. Donc, quand vous voyez d'un coup un snake géant disparaître avec de la fumée, c'est simplement parce qu'il utilise un fantôme, hein, rien d'autre. C'est pas autre chose. Oui, je sais, c'est triste pour cette personne, RIP. Bon, j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est le jeu, hein, ma pauvre lucette. Donc le principe, c'est de montrer... À un moment, j'ai su monter à 3000 quelque chose, il me semble, mais... C'est pas pratique, hein, parce que... Il faut être très très... Il faut faire vraiment très très attention et pas faire le con.
Et surtout que moi j'utilise ma tablette d'une telle façon pour pas appuyer sur le truc pour retour, parce qu'en fait j'avais normalement de base je jouais à ma tablette dans un autre sens, mais à chaque fois j'appuyais sans faire exprès sur le bouton retour en fait. Il y avait une pub. Comme je disais, on va quitter du coup, c'était génial. Et du coup, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le jeu. Et comme vous voyez, il y a des offres promotionnelles, tout ça. J'aurais bien envie de l'acheter et acheter pas parce que voilà, je suis un pigeon. MDR. Donc vous avez le profil tout simplement, si ça plante pas, merci. Donc là, par exemple, pour le moment, moi j'ai rien mis parce que ce que je voudrais mettre, c'est ça. Mais il a 400 machins, j'ai pas envie de payer pour ça, hein. À part mettre peut-être éventuellement une tasse de café, je sais pas. Mais techniquement le snack il est marrant, donc je me dis, ouais, enfin je sais pas, éventuellement peut-être mettre ça, je sais pas. Non, 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 ça je laisse, c'est bon drapeau. Ouais, je sais pas quoi d'autre mettre en fait. Ouais, c'est ça, je vois pas trop autre chose mettre en fait. Allez, une tasse de café, c'est parfait, ça m'ira très bien. Hop, voilà. En fait, je vous explique, vous avez ici des coffres que vous pouvez ouvrir directement si vous avez assez de rubis. Les rubis roses, pas roses, les rubis. Voilà, merci. Les joyaux là. En fait, vous avez ça que vous pouvez récupérer. Bon, après là, c'est du troll parce qu'il dit gratuit, mais tu payes quand même 1€ et quelque chose, n'importe quoi. Donc voilà, vous avez tout ça. Vous récupérez des joyaux comme ça. Merci. Ouais, ça c'est chiant comme vous voyez, hein. C'est vraiment casse-couille. Mais utile quand même. Alors, soit, on s'en fout. Donc ici, vous avez tout simplement le profil comme j'ai dit. Là, du coup, vous avez tous les bêtes qu'il y a. Oui, j'allais pas dire hop. Donc voilà, moi mes préférés personnellement, donc les serpents préférés que j'aime, c'est mon premier, c'est celui-là. C'est celui-là que j'ai toujours gardé. Il est où? Il est là, je le veux trop. Voilà, c'est celui-là. Monsieur Wouhou, ben ça ira très bien avec ce compte-là. Je veux trop celui-ci. C'est celui-là que je veux et rien de, et pas autre. Il y en a d'autres que je trouve sympa aussi par la suite, si on veut, ben, la souris. Donc celle-là, la souris est sympa aussi. Celui-là, il est classe aussi. Donc ça fait... Celui-là, il est comique aussi. Je le trouve drôle aussi, donc j'aime bien. J'aime pas du tout le jeu de la liqueur, moi, personnellement. Ah, il est là. Et le dragon, qui est sympa aussi, pas mauvais, ça va. Mais après, c'est pas le meilleur, hein. Moi, je préfère d'abord mon goût. Alors, le truc, et dans les catégories humoristiques et buggées, c'est le canard, que j'aime bien, parce que c'est complètement planté. Celui-là, il est sympa aussi, parce que c'est Minecraftien, vous voyez, c'est trop rigolo, c'est trop fun. C'est génial, quoi, ce Minecraft. Donc, ouais, c'est bien aussi. Et comme vous voyez, celui-là, c'est celui-là de base. Quand vous allez dans personnaliser, vous avez tout simplement le choix de mettre des... Vous voyez, ici, c'est des trucs par séquence. Vous pouvez mettre plusieurs bazars. Vous voyez, vous avez le choix. Vous pouvez acheter ces 200 pièces. Donc là, j'ai assez, mais je ne l'achèterai pas parce que je vais économiser pour acheter mon Wouhou. Vous avez aussi tout simplement des badges. Là, ces trucs-là, c'est quand vous... quand vous one-shotez quelqu'un ou quand quelqu'un se cogne dans vous, ça apparaît. Ça apparaît pour montrer à la personne que ben, c'est comme une sorte d'MDR, ah, ah, t'as perdu quoi. Enfin, moi j'ai mis le truc en japonais. Donc c'est pour moi, du coup c'est pour moi que ça fait, et ça lui montre et ça montre pour moi aussi. Ça c'est la traînée, donc c'est le truc qui quand vous allez vite, ben, c'est le truc qui, je présume que c'est ça, hein, sinon après je sais pas qu'est-ce que c'est d'autre. Ça peut être encore autre chose, mais voilà. C'est la traînée, c'est ce qui, je présume, c'est ce qui permet de quand tu avances ou quoi. Ça, c'est l'œuf où tu apparais. Donc par défaut, c'est celui-là que j'ai. On a tous celui-là. Moi, j'aimerais bien avoir cet œuf-là parce qu'il me fait trop rire. Celui-là aussi, il est génial. Celui-là, il est parfait pour
Pour mon boubou, ce serait l'œuf parfait pour ma troutrouille compressée. Je suis belge, ça on le sait. Donc voilà, c'était une petite vidéo présentation pour ce jeu vraiment fun et génial à ma sauce. Donc ça veut dire que c'est normal que je bug un peu et que je bafoule. Mais dans la généralité des choses, ça va. Je pense que vous avez compris le principe du jeu. Donc voilà, c'est tout, hein. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le jeu vous intéresse. Et donc le lien du jeu de toutes les endroits où on, de tous les endroits où on peut l'avoir sur toutes les plateformes sera dans la description, bien sûr. Et je vous dis à bientôt. C'était Desna. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo. C'est très très important d'avoir un peu plus d'audience pour me faire connaître. Parce que j'aimerais bien avoir un peu plus de monde qui s'intéresse un peu. Juste pour partager aussi, surtout. Après, c'est pas important non plus au point, mais si vous voulez vraiment me remercier, c'est le seul moyen, c'est partager ma vidéo et aimer et commenter ce que vous avez bien apprécié, tout ça. Me dire ce que si vous jouez à ce jeu ou pas. Si vous voulez m'ajouter en ami aussi, vous pouvez, etc. Ça serait la meilleure des choses pour me remercier. Que de faire ça. Je vous dis à bientôt, c'était Desna, et je vous dis, portez-vous bien.